Musiciens, musiciennes, c'est Musicalem et aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment monter une hanche sur son bec de saxophone. Allez, c'est parti! Donc dans ma précédente vidéo, vous avez vu comment monter et démonter un saxophone. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir comment monter une hanche sur un bec de saxophone. Donc vous allez devoir vous munir du bec, bien sûr, de la hanche en bois, ainsi que de sa ligature. Alors dans un premier temps, vous allez devoir humidifier légèrement avec votre bouche la hanche en bois, comme ceci. Une fois ceci fait, vous allez devoir placer la hanche sur votre bec comme ceci. Donc vous allez la poser, c'est un peu compliqué, je vais vous montrer ça, je ne sais pas comment faire. Vous allez devoir placer donc sur la table de votre bec. Vous allez devoir placer la hanche dessus. Et il faut en fait que le bout de votre hanche soit légèrement en retrait par rapport au bout de votre bec. Légèrement, donc je sais pas, un demi millimètre à peine, à peut-être un demi millimètre. Et bien sûr, il faut essayer de centrer votre hanche sur votre bec. Il faut que ce soit bien centré. Un petit conseil, franchement, faites super attention avec votre hanche de ne surtout pas toucher le bout de votre hanche, là où c'est très très fin, parce que ça peut très vite se casser et parce qu'une hanche c'est super fragile. Une hanche qui est cassée, bah, ça se jette directement à la poubelle, cherchez pas à comprendre et ça vaut assez cher. Donc faites très attention à ça. Une fois que vous avez bien placé votre hanche sur votre bec, il ne vous restera plus qu'à poser la ligature, tout en faisant attention à la hanche en bois bien sûr. Posez la ligature dans le bon sens, autour de votre hanche et du bec. Donc comme ceci. Et donc ensuite, il ne vous restera plus qu'à visser le tout. Sans exagérer bien sûr. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre votre bec sur le bocal et vous êtes prêt à jouer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi ça m'a plu de faire ce petit tuto pour vous. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Allez, sur ce, j'arrête de parler, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Musicalem. Allez, salut.